125. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice
Que ce pain soit encore livré pour nous. Que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Le Seigneur amena nos captifs. Nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles. Que fit pour eux le Seigneur? Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert, et ce vin qui sève dans les larmes, moi seul t'en chantant, on s'avance en pleurant, on porte la semence, on s'en vient t'en chantant. Psaume 127. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Dieu a l'œil de tes mains, tu profiteras. Oh, ton aise et bien-être, ton épouse une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. Tes fils, tes plants d'olivier, sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siens.
Cantique de Jérémie, page 313. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ah Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Thank you.
jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Où des herbes vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Gloire.
Frères et sœurs, aujourd'hui nous commémorons la scène, le repas où Jésus a béni et le pain et le vin pour la première fois. Nous croyons que réellement, substantiellement, le Christ, le Fils de Dieu, est présent dans le pain comme dans le vin consacré. La question posée par les contemporains de Jésus, nous pouvons aujourd'hui, en ce jour de fête, nous la poser aussi. Comment ce Dieu fait homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Quel est donc ce pain ? Jésus lui-même nous dit comment accueillir le mystère de la communion à son corps et à son sang. Tout d'abord, il nous dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Nous mangeons celui qui vient vers nous et en nous, qui vient partager notre vie pour que nous partagions sa vie du ciel, autrement dit sa vie de relation au Père. Nous recevons ce pain qui est son corps après l'avoir demandé. Nous recevons la présence de celui qui nous dit que la vraie nourriture est celle qui conduit au Père. Nous communions ainsi par lui et en lui au pain de la volonté du Père. Quand nous disons « Amen », nous attestons fermement que ce pain est vraiment le corps du Christ et ce vin le sang du Christ. Et nous disons oui à la volonté du Père sur nous, lui qui a voulu nous réconcilier en son Fils et nous donner en partage la vie éternelle. Jésus nous dit ensuite, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Communier, c'est aussi communier au sacrifice de Jésus. Communier, c'est recevoir le pain de l'amour, le pain qui fait de notre vie une offrande par amour. Nous devenons hosties vivantes. En mangeant le corps du Christ, en buvant son sang, nous sommes appelés à être ce que nous recevons, le corps du Christ. Le Christ Jésus, à travers nous, continue alors sa mission en rayonnant à la mesure où nous rayonnons de son amour. Enfin, Jésus ajoute que le pain que nous mangeons n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Notre vie est bien plus que la vie de notre corps, sans en être séparé. Le fait que notre corps soit inséparablement, avec notre âme, une composante de notre personne, voile la réalité de la vie éternelle. Et pourtant, celle-ci a besoin d'une nourriture. En communiant au pain et au vin consacré, en communiant au Christ présent dans ce pain et ce vin, nous communions à la vie divine et nous nourrissons notre âme qui porte en elle la vie éternelle. Qu'en ce jour où nous faisons mémoire de ce cadeau immense et inestimable que le Seigneur Jésus nous a fait, qu'il nous accorde la grâce de communier à son corps et à son sang en pleine conscience, de cœur, d'âme et d'esprit. Amen. Thank you.
Seigneur, alors que nous allons vénérer ton icône de l'Eucharistie, ouvre-nous à la profondeur du mystère que tu nous as révélé en nous offrant ton corps et ton sang par le pain et par le vin. Ouvre-nous au mystère de ton Père. Tu es saint.
Très saint, ton Fils Jésus, en s'offrant lui-même, nous a donné le vrai pain venu du ciel. À son commandement, nous osons dire. Juste d'aimer par-dessus tout, multiplions-nous les dons de ta grâce. Dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons. Accorde-nous par sa résurrection d'atteindre ce que nous espérons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Si je n'ai pas la charité, je ne